Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça, y'a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches, fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va oh, tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabissa vous offre le Mac 12. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Mac 12 est une émission interactive. Nous lisons aussi vos commentaires sur la page de cette émission Mac 12-TV. Bon, j'ai vu vos commentaires comme quoi Lynn, ta voix est où? Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Qu'est-ce que tu as? Bah, triste et malheureux de constater que j'ai la voix cassée depuis un bon bout de temps. Bah, je sais pas, ma voix est partie, elle allait se promener quelque part là. Le virus fait ravage actuellement. Je t'ai dit. C'est la période. Jacken dit, mais je peux pas comprendre. En fait, ce sont des personnes qui sont en contact avec la poussière et qui ont généralement ce genre de problème là. Mais toi, Lynn, tu es toujours à 17 degrés. La poussière. Hein? Non, mais je ne sais pas. Grosse voiture. Soit tu es en studio, soit tu es dans le véhicule. Non, soit mais t'es je à la dirais maison. Que c'est la fève de l'anniversaire. Oui. Je t'ai tellement dans la mouvance de la chute, j'étais tellement dans le mouvement que bon, voilà. Ouais. Mais tranquillisez-vous, cela ne fera pas perdre mon objectif de vue, celui de vous distiller H24 la bonne humeur. Cela ne fera pas perdre mon optimisme de bon aloi. Ainsi que mon dynamisme. Mais donc, par contre, Lynn, je t'arrête pas, mais j'adore beaucoup la robe. Merci. Elle est magnifique. J'imagine que tu l'as achetée en Turquie aussi. C'est une robe, c'est une pièce de ma collection qui sort bientôt. Ça coûte 2 900 euros. Oui. T'as pourquoi hein? Ma collection. D'accord. Voilà, ça coûte. Tu es sérieux? Excusez, c'est qu'il ne faut pas partir de l'Inde pour pas quoi que ce soit. Ça coûte 2 900 euros. Ça coûte 2 900 euros. Merci. Tu es obligé de payer des taxes. Hein. Ah oui, la douane t'a passé par la douane. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Vous, vous dites que bon, on ne pourra pas suivre le Mac 12 parce que Lynn a perdu, elle perd son dynamisme. Jamais, parce que je perds pas mon dynamisme. C'est le fait que j'ai la voix cassée ne me fera pas perdre mon éloquence. Donc, aucune excuse. Vous devez rester Mac 12. Vous devez consommer H24 Kabissa. Et par-dessus tout, vous devez tous les jours entretenir cette graine de folie qui se cache en vous. Parce que vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Merci la chorale. Bonne arrivée à tous. Quand vous répondez ainsi. Très ravi de vous retrouver. C'est parti. Alors, Do, aujourd'hui tu es en rouge. Oui. Jacken, toi tu es en blanc. Mm. D'habitude, c'est celui qui est en rouge qui est sur le terrain. Mais là, le gars, il a botté en rouge, pourtant il en offre aujourd'hui. Lynn vous dit qu'il en offre, c'est juste pour dire que j'ai pas de produit. Mais ce que je vais dire déjà, c'est que nous devons nous appesantir sur le processus qui vise à ce que chacun soit équipé, forcément, pour vivre sa vie dans la sécurité et dans la dignité. Amen. Ouais. On a compris. Merci beaucoup. L'historien, toujours à la pointe. D'accord. Alors, l'ouverture des balles des instants aujourd'hui se fera avec un moment que les consommateurs potentiels adorent beaucoup, avec un moment que les entreprises et les festivaliers aiment beaucoup et par-dessus tout notre service commercial. Notre service commercial adore cet instant. Oh aïe, 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 que serais-je? Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ils aiment cet instant. Et cet instant, c'est l'instant annonceur qui démarre maintenant. Ah
Alors aujourd'hui nous recevons monsieur Savadogo Ousseni qui est le président de l'association Afrique Mbeko Kamba et aussi commissaire au compte du festival à la nuit des sécurités de la paix en Afrique. Il est aussi animateur sur la radio Burkina et il est accompagné de monsieur Bargo Lassene, représentant des artistes FDS. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ce que moi j'adore, c'est la colombe qui vous accompagne. Oui, ça c'est la colombe de la paix. C'est le symbole de l'association. C'est le symbole de l'association parce que partout où nous passons, nous parlons de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de civisme. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des nuits atypiques de la sécurité et de la paix en Afrique. J'espère que je vois juste. Oui, exactement. Voilà. D'accord. Alors, les nuits atypiques de la sécurité de la paix en Afrique auront lieu quand, où, à quelle heure et le prix d'entrée? Alors, il faut dire que les nuits atypiques de sécurité et de paix en Afrique, en abrégé Festifad, n'est-ce pas, est un événementiel que l'association Afrique Bio Combat, en collaboration avec la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité, est en train d'organiser du 17 au 20 décembre sur le terrain de Savant TV à Ouagadougou, au Burkina Faso, parce qu'il y a des gens qui vont quitter ailleurs pour venir. Alors, donc, il faut dire que vraiment, c'est un événementiel qui rentre dans le cadre des missions donc, de l'association, parce que l'association même œuvre pour la promotion de la sécurité, de la paix et du civisme en Afrique. Et particulièrement au Burkina Faso, nous avons initié ce que nous appelons le projet Sentinelle. Le projet Sentinelle, c'est un projet qui œuvre à la promotion donc des systèmes en tout cas de sécurité en matière d'accompagnement des mécanismes existants de sécurité au Burkina Faso, que ce soit au niveau de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Nous avons constaté que les citoyens à la base ne connaissent pas ou méconnaissent les numéros verts de la police et de la gendarmerie. Donc on a le 16 de la gendarmerie et le 80 00 11 45, le 17 de la police nationale et le 10 10, qui est le centre national de veille et d'alerte. On a également d'autres numéros annexes que nous, sur lesquels nous sommes en train de travailler par rapport à leur promotion, particulièrement le numéro de la police municipale. On a également les sapeurs-pompiers. On a également la brigade anti-fraude de la douane et le centre national de transfusion sanguine. Donc, parce que nous faisons la promotion du don de sang également. Donc, c'est dans cette dynamique-là donc, que le festival NASPA est en train de s'organiser. Donc, il faut dire que le festival NASPA, c'est le volet culturel donc, du projet Sentinelle à l'aide 16-17 dites générations conscientes. Donc, nous l'organisons ensemble, les deux associations. Association Afrique Bio Combat, main dans la main avec la coordination des forces de défense et de sécurité représentée par M. Bargo. Moi, j'ai envie de savoir quels sont les pays invités, vu que vous parlez du thème africain. C'est une association africaine. Quels sont les invités d'honneur, les pays invités de cette année? Merci bien pour cette question parce que pour cette première édition, il faut être humble, nous sommes restés au niveau des communautés au Burkina Faso. Vous savez, c'est dans l'association, nous sommes à plus de 1700 personnes, mais beaucoup plus basées au Burkina Faso. Et celui-même qui me seconde, c'est le secrétaire général de la communauté ivoirienne, l'association, l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina, URECIP, le secrétaire général lui-même. Donc, il y a d'autres communautés qui sont dans l'association des Togolais, des Béninois, des Ghanéens, des Nigériens. Voilà, mais basés au Burkina Faso. À la longue, nous allons en tout cas nous orienter vers les autres pays, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes en train de travailler, en tout cas, main dans la main avec les autres associations. Mais les associations des communautés africaines vivant au Burkina Faso seront associées à cet événementiel. Ça, c'est la première édition. Nous n'avons pas un pays invité d'honneur, mais je pense que les éditions à venir, c'est notre vision comme ça, parce que à la longue, nous allons même faire venir les troupes traditionnelles des différents pays au Burkina ici pour des prestations. Et les nuits atypiques auront lieu quand? Le festival NASPA, c'est du 17 au 20 décembre 2020 sur le terrain de Savant TV. On dit nouveau Savant TV, voilà, Ouagadougou. Donc, c'est arrondissement 6 de Ouagadougou, Bonnerville. Alors, il faut dire que au niveau du programme, nous avons un plateau vraiment atypique parce que ce sera prestation artiste FDS, artiste civil sur le même plateau. D'accord. Voilà. Alors, parlons de prestation d'artiste FDS. Monsieur Bargo, qui est le représentant des artistes FDS, qu'est-ce que vous nous promettez, vous, les artistes FDS?
pas, nous vous promettons du boom. Ça sera du loup. Et parmi les artistes MLS, qui nous allons voir prester? Bon, vous verrez peut-être moi, point de Dieu. Peut-être, ouais. Peut-être. Peut-être comment, point de Dieu. Point de Dieu. D'accord. Et peut-être ouais, si vous venez. Et sûrement, vous verrez les artistes comme la CRE. La gendarmerie. Oui, oui, oui. Voilà. Il y aura le général Penta, le général Yac, il y aura le Nègre. Wow. Tous ces gens sont des artistes FDS. Et ils font partie de la coordination, bien sûr. Ok. Écoutez, vous venez me donner envie de payer le. Je vais. D'abord, est-ce que c'est l'entrée est gratuite d'abord? Non. En fait, l'entrée là, c'est votre déplacement. C'est gratuit. Donc, on vient seulement avec notre cache-nez. C'est au grand public. Et c'est tout. Voilà, votre cache-nez. Et puis, bon, en tout cas, il faut être en tout cas dans la sécurité, quoi. D'accord. Voilà. Non, mais on sera dans la sécurité, étant donné que les FDS sont de la partie. Ça, la sécurité est déjà garantie, on assure. Donc, monsieur Bargo, vous devez me donner envie de venir à l'événement. Hein? Votre nom d'artiste, c'est Pointe de Dieu, c'est ça? Je... Hey, c'est pas facile. Vous devez susciter en moi l'envie de venir. Ouais. Donc un petit acapella, tu vois, pour donner le genre, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit truc. Soldat coulé, soldat wa. Soldat coulé, soldat wa. J'ai dit à mon père que je vais à la guerre. J'ai dit à ma mère que je vais à la guerre. Moi-même, je sais que la guerre, c'est la mort. Soldat coulé, soldat wa. Soldat coulé, soldat wa. Voilà. On sera là sur le terrain de Savane TV. Ouais. L'entrée est gratuite. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous déplacer et venir participer à ces différentes nuits. Ouais. Et tout contact, l'info line. Oui, mais il faut dire que ce n'est pas seulement de la prestation artistique parce que nous aurons également de la projection vidéo grand écran tous les soirs à partir de 18h jusqu'à 24h sur les numéros verts de nos forces de défense et de sécurité, sur les clips des artistes qui vont jouer. Nous avons également des sélections des danses traditionnelles et des danses des masques de quelques pays africains, francophones comme anglophones, parce que les associations, imaginez les associations présentes là-bas, seront fiers de voir les danses de leur pays à partir du Burkina Faso. D'accord. Donc, c'est une vision que nous sommes en train d'imprimer. Il y a également déjà à partir du 17 à 16h, on aura la première édition de Les Talents de la Paix en Afrique que nous allons jouer. C'est un match de football Maracana que nos forces de défense à travers la coordination va jouer contre l'arrondissement 6. C'est une finale directe. Voilà. Donc, les années à venir, on pourra faire des éliminatoires avec les différents corps des forces de défense, plus également, en tout cas, les communautés vivant au Burkina Faso ici. Ok. Voilà. On va revenir sur le contact pour tout renseignement. Oui, notre contact, nous sommes au 70 14 52 51. Je répète, 70 14 52 51. D'accord, merci beaucoup à vous monsieur Savadogo et aussi à vous monsieur Bargo. Merci pour la confiance une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, merci. Autant le McDo's n'est rien sans ses annonceurs, sans ses chroniqueurs, autant le McDo's n'est rien aussi sans ses invités. Et aujourd'hui vous aurez dans quelques instants sur ce plateau en guest notre guest star et aussi notre invité de la chronique Culture Art. Et à propos de notre guest star du jour, laissez-moi vous dire que c'est le prince des rimes et des flots. Ouais. Ah oui, il se surnomme le boss du 6. Je ne sais pas trop dans le boss du 6. Qu'est-ce qui se passe dans le 6? Il viendra sur ce plateau nous expliquer. Mais en attendant qu'il s'installe, je voulais dire un truc, mais ça va casser le mythe. Donc on peut y aller pour suivre le clip. Non. On va pas regarder lui son clip. On va garder la magie jusqu'à ce qu'il s'installe sur ce plateau, ainsi que l'invité aussi de ta chronique que tu as. Okay. On va garder le suspense, oui, jusqu'à là, parce que si les gens maintenant, deux jours, ils ont commencé à faire les phases. Oui. Maintenant, on va reprendre les choses comme au début. On va vous faire languille. Et pendant que nos invités s'installent, on va déguster, par contre, des stars scellés de Feli S, qui célèbre d'ailleurs ses un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Feli S. Happy birthday, ma belle. Allez, famille, on se...
Aujourd'hui tu vas bien, tu es beau, tu veux me larguer. Aujourd'hui tu vas bien, tu as l'argent, tu penses que tu es arrivé. La chaîne est collée, on ne peut pas nous séparer, Sache qu'on est collé, Tu ne peux pas me laisser tomber, c'est ton bien, mon bien. Mon instant s'en serait, je n'ai pas pu m'échapper. Chapeau Félix, encore joyeux anniversaire à toi. On salue en même temps à travers toi tous les bobolais. On vous aime depuis Ouagadougou. Destin scellé de Félix S. Tu veux l'intimider son nom de famille tout à l'heure, pardon? Oui, c'est Félicité Somda. Somda. Ah, donc le S est Somda. Voilà. Ah, tu vois, elle n'a pas cherché. Félicité Somda. Elle est couturière de profession, il faut le rappeler. Ah, mon gars, tu es informé. Comment? C'est le travail là qui demande ça. Tu as su que c'est seulement le travail là qui demande ça. Sinon, tu vas m'aider encore. Ça va. Non, c'est le travail. Ah, c'est le travail. C'est lui, ça nous permet de fouiller, de chercher. Voilà que tu as lancé ta collection. Qui est vous? Alors, j'étais disant tout à l'heure que notre guest star du jour est le boss des rimes et des flots. Il se surnomme aussi le 6. Avec tous ses indices, je crois que vous avez finalement deviné que notre invité du jour, c'est le boss Flowman Boyd. Bonjour mon gars. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Mais il dit merci, puis la ronde d'une manière. Il fait genre la star, tu vois. C'est trop pour moi, je suis trop humble. Il est accompagné de l'invité de la chronique à Culture Art qui est gouverné et guidé par Jacken, monsieur Romain. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour à vous aussi. Vous allez bien? Très bien. Alors tout à l'heure, on vous retrouvera dans la chronique Culture Art avec Jacken. Et avec vous, on parlera d'une danse qui était très célèbre dans les années, en fait, nanani nanana. Alors, pour l'instant, nous allons nous affairer sur la vie artistique de notre guest star du jour. Il s'agit de Flowman Boyd et c'est maintenant dans l'instant invité. Alors, Flowman, ça va? Ouais, ça va. Fallait que j'ajoute encore le Flowman Boyd, moi je peux m'allumer. Ouais, regarde même, ça monte, tu vois. Non, elle vient de l'Arabie Saoudite. Alors, Flowman, si tout le monde se pose une question, le boss du 6, le boss ça nous gêne pas, mais c'est le 6 là qui nous gêne un peu, ça nous dérange. Ça pourrait être le 9, ça pourrait être le 2, le 3, le 4. Parce que c'est le 6, tu vois, on dit 666, c'est bizarre, on sait comment le 6. Ton 6 là, c'est quand même. Mon 6, c'est le 6, c'est tout. On ne peut pas expliquer ça autrement. Au fait, le 6, c'est quelque chose dont si tu n'es pas là-dedans, tu ne peux pas comprendre. Donc, Bon, il faut nous mettre dedans. Maintenant, on veut être dedans. Nous-mêmes, on veut être dedans. Bien sûr. C'est
c'est pas que non, il y a 6 dedans. Ouais. Sinon, moi, il m'appelle Narcisse. Ça fait 6. Ouais. Moi, je m'appelle Narcisse. Donc, on fait Nar et puis on met 6. Il n'y a pas de problème. Il faut nous expliquer. Parce que tout le monde a envie de savoir. Ah, le gars, il s'appelle le boss du 6. Tu vois, ça rime avec beaucoup de trucs. Ça prête à confusion. Il y a beaucoup de choses. Et puis, surtout qu'avec les nouveaux quiproquos, les nouvelles tendances qui arrivent aujourd'hui, on se dit, nos artistes, ils font tant et tant. Ils font beaucoup de wack pour eux ici, tout ça. Et puis, toi, tu arrives dans le game. Un, t'es jeune. Deux, à peine tu arrives, tu excelles tout ça. Et puis bon, après on découvre non, les 6. C'est le boss des 6. Bon, voilà, il y a plein de... Tout ce que je peux dire sur le 6, c'est que c'est une confrérie. Ah, attends. C'est quoi une confrérie? C'est une confrérie, c'est tout. Il faut être dedans. Hein? De 6 garçons, non, c'est pas. C'est un nombre illimité de personnes qui sont dedans. Mais seulement, il faut être dans le truc pour comprendre ce que c'est. Sinon, si je t'explique, là, voilà. Tu vas nous accompagner, on va donner tout. On va pas de problème. C'est pour bien, les gars. C'est clair. Après tant l'émission, que... on le suit, on va, et puis on revient demain ici pour expliquer. Parce qu'il n'arrive pas à expliquer le 6. Il n'arrive pas à expliquer. D'accord. Il faut qu'on soit dedans. Voilà. Bon, après l'émission, tu vas nous initier. C'est bon, problème, non. Super. N'empêche que dans ton flow, on retrouve, excuse-moi, du Ibawan. Beaucoup de Ibawan dans ton flow. Donc j'ai bien envie de demander, est-ce qu'il est ton mentor? Ouais, c'est mon mentor. C'est mon big boss. C'est mon... Ah voilà, je comprends mieux. Je m'inspire de lui. Ouais. Ah bon hein? Yes, I. Et personnellement, vous vous connaissez, il y a un lien? Ouais, ouais, un tout petit lien. D'accord. Mais parfois, est-ce qu'il n'arrive pas qu'on confonde tes sons à Ibawan? C'est-à-dire que ta musique est en train de passer, tu as ici. Et mais Ibawan chante bien. Putain, c'est Flo même qui est en train de tuer. Ouais, ouais. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. 50% des gens qui écoutent, même si c'est amoureux, je chante que Ibawan ne chante pas amoureux. On dit que ouais, elle est. Ouais, tu kiffes, on va pas chanter un mot. Est-ce que tu trouves pas que ça peut peser sur ta carrière? Qui? Le fait qu'on t'assimile à Ibawan? Non, ça peut pas peser. Parce que quand tu vois, c'est vrai, Ibawan c'est mon idole. C'est juste la manière. Sinon, le fond, c'est pas la même. C'est pas la même. Parce que toi, tu ajoutes du mouré dedans. Voilà. Ibawan, il nous fait du malinqué, du julaï. C'est pas la même. Alors, sinon, ton. Tu as d'abord membre d'un grand groupe, hein. Ouais, voilà, les Titans, du rap. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tout va bien. Même actuellement, on est toujours ensemble. Mais le problème est que c'est se retrouver qui est le problème. Ah. Attends, vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble. Le groupe n'est pas séparé. Mmh. Voilà. Moi, en fait, je suis venu ici pour les études. Mmh. Et enfin, j'ai laissé les études et puis j'ai continué dans la carrière sur le vu que je ne peux plus aller à Bobo encore. On dit que le groupe, même la majeure partie des membres du groupe, ils sont à Bobo Dioulasso. Sinon, le groupe existe toujours. Okay, voilà. Récemment, même j'étais à Bobo à Houndé. Voilà, ouais. Mais t'as fait un show incroyable à Houndé. Ouais, c'était cool. mais Eriman, moi j'ai kiffé par contre votre collaboration. Hein. Ouais. Moi je me suis dit que Afazon, c'est bien fait un truc à la Vita et Slimane, quoi, parce que c'était un duo d'enfer. Ouais. Et après, on n'a pas eu de suite, tac, tu es revenu une carrière solo, tout ça. Ouais, non, Eriman et moi, c'est la fraternité, c'est la famille, c'est pas la musique qui nous lie, c'est plus fort que ça. D'accord. On s'est connus, ça vaut 10 ans comme ça. Donc, à part la musique, il y a beaucoup de choses qu'on partage ensemble. Ouais. Même après l'émission, on va aller manger ensemble. Et aussi, vous clashez beaucoup. Hein. Ouais, on s'insulte beaucoup, c'est comme ça. Le dernier poste que tu as fait sur Raymond, tu disais quoi encore là? que tes dreads ne sont pas comme ça? Non, lui, il a pissé. Je trouve qu'il y a des 6 mètres à pissé qui sont trop poussiérés. Donc, il a teinté sa tête là. Donc, c'est pour ça que je le provoquais un peu. D'accord. D'accord. On a pensé qu'il y avait un petit truc en vrai, quoi. Non. Ah, ça, c'est juste des petits clashs amis en pote. Ouais, comme ce qu'on fait, non, ici, les gars. Souvent on est dans le game. Voilà, non, on est dans le 6. Ouais. Alors, tu as fait tellement de scènes que j'ai bien envie de te demander quelle est la scène qui t'a le plus marqué. Ah, waouh. C'est la dernière scène parce que toujours. On essaie de faire plus que. Puisque ce qu'on a fait hier, voilà, et ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela, bon, j'ai jamais fait ça à Houndé, ouais, c'était cool. T'as le public, mais voilà. Pas et tout ça, ouais, excusez-moi du langage, on appelle ça dans le game, on a foutu le bordel.
Yes, I. D'accord. Alors, pour, comme on dit, casser la baraque, si tu casses la baraque aujourd'hui, pardon, c'est parce que tes tests sont vraiment bons. Tu me souhaites, tu alignes hit sur hit, tube sur tube. J'ai bien envie aussi de demander la, de la conception, la finalisation de tes tests. Comment ça se passe au fait? Surtout, Feleke, Feleke. Danger. Danger, voilà. Feleke, Feleke, danger. Parce que ça, c'est un tube aussi que je kiffe beaucoup à mort, quoi. Comment expliquer ça? Bah, comment expliquer ça? Genre l'inspiration, d'où voilà, ça vient? Voilà, d'où ça vient, bon, tout ça. Ça vient du quartier. Genre si je m'assois avec mes amis, ou bien sur le plateau comme ça, quelque chose va marquer. Sur la route, sur ma moto, je vais essayer d'écrire ça. Là, sur ta moto, s'il te plaît. Hein? Écris sur ta moto. Ouais, ouais, on me prend toujours, je suis derrière. Je... Ah, ok, écrit, okay. Voilà. Donc maintenant, rentrer à la maison, si le 6 est là, il va me dire on va faire ensemble. Et puis, Le 6 aussi, c'est un esprit aussi. Ça commence à venir. Ça commence à venir. D'accord. Ce que tu as dit, moi je n'ai pas dit ça. C'est parce que il a une folle énergie. Très. Tu as une folle énergie. C'est une boule d'énergie sur scène. Sur scène, on a l'impression que c'est plus lui en fait. C'est pas une personne. Vraiment, c'est ton six là, il doit ressembler à. Il doit ressembler à Dieu. Hein. Non, même pas. Dieu, il est seul. Il dit même pas. C'est pour dire, c'est une force en fait. Mais sinon, Feleke, Feleke, danger, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce hit? Voilà, retenez du Feleke, Feleke, danger que quoi? L'apparence est trompeuse. D'accord. Tu peux me voir, je suis petit de taille. Tu vas dire, lui là, un coup KO, ouais, il est par en bas. Pourtant, l'ingrame pas lui, tiens. Il est Feleke, Feleke, mais il est dangereux. Ça l'ingrame, ça tombe. Voilà, ça c'est dans le vrai sens du terme. Maintenant, dans l'autre sens, ça veut dire que, tu vois, quand tu viens d'arriver dans le game et que tu demandes les scènes, on te néglige. Mm-hmm. Voilà. Mais juste après que tu montes et que tu tues, on dit ah petit foyer, madé, mikton da kanan foyer, tout. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai chanté. C'est pas dans le sens de la bagarre. D'accord. Voilà. Paris, voilà. Il a tout de suite envie de nous raconter une anecdote. Franchement, peut-être quand tu as commencé, c'était super difficile. Ouais, ouais. Pour avoir le micro, pour prester. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais maintenant, ça va. Maintenant même, c'est les gens qui te cherchent. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu n'es pas fier aujourd'hui? Voilà, je suis fier de moi. Voilà, tout n'est pas bien, facile. Tout va bien. Mais sans te dire tout de suite, il faut retourner dans le groupe Les Titans du Rap. Je n'ai pas quitté le groupe, on est toujours ensemble. Mais si on est retourné, et puis laisse ta carrière solo. Et puis retourne dans le groupe. Non, je ne peux pas laisser ma carrière solo. Parce que j'ai commencé la carrière solo. Donc, est-ce que le groupe l'a veut pas? Ça va exister. Les gars, tu sais que ce que j'ai aimé, c'est. Chut, je ne peux pas laisser ma carrière solo. Never. Parce qu'en fait, en solo. En solo, tu as eu une très grande visibilité. Voilà, c'est ça. Et puis tu es libre, tu dis ce que tu veux. Voilà, tu as 3-4 minutes pour dire ce que tu veux. Mais dans le groupe, tu as 30 secondes. Mon cher. Ils sont jusqu'à 8, je crois. Ouais, tu vois. 8, donc, et le son en fait 3 minutes. Chacun doit parler, c'est pas facile. Je comprends, même dans le groupe, la kiff no beat, les gens pensent qu'ils sont séparés. Pourtant, non. Ils sont ensemble. Mais actuellement, chacun gère sa carrière solo. Pourtant, ils sont toujours ensemble. D'accord, je comprends mieux. Sinon, monsieur Romain, pardon, vous kiffez par de la faute rap, du rap, tout ça? Oui, de temps en temps. Ouais, toutes les musiques, hein. Toutes les musiques. Et vous connaissez bien Flowman, ou mais c'est ici que vous l'avez croisé? Bon, franchement, si je l'ai croisé. Ici. Alors Flowman, boys, si tu devais te présenter à monsieur Henry, qu'est-ce que tu lui dirais là tout de suite? Grando, ici Flowman Boy, le boss du 6, a.k.a. Ya Flowman, et Génération Kalabanti, Douba, Kamele, le 2x3 boss du 6, Soron Jai. Ah, tu vois les signatures comme ça, ça donne l'envie de découvrir tout de suite qui est l'artiste, c'est clair. Alors, mais Flowman Boy, est-ce que tu connais la danse du Wiré? Wiré. Oui. Le Wiré. Ah! Je connais la danse, mais franchement, je ne suis pas un vrai bon danseur. Donc, j'en ai entendu parler comme ça, comme le Warba, tout j'en ai entendu parler. Ouais. Bon, d'accord. De toute façon, c'est ici que tu as connu, là. C'est pour ça qu'il va te montrer la danse, Zioui. Chacun va apprendre quelque chose à son camarade. Là, c'est bien dit. C'est bon, non? Alors, monsieur Romain Moré, aujourd'hui avec vous, nous allons apprendre la danse du Wiré. J'aurais bien voulu lancer la chronique là tout de suite, mais je ne peux pas lancer sans demander à celui qui détient la clé de cette chronique est-ce qu'il est prêt pour nous parler de cette danse. Ready, on va donc lancer. C'est bon, si tu le super. Allez, c'est parti pour la chronique à Culture A, restez avec Jacken. Oh.
Voilà, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui dans cette rubrique culturelle, nous allons rester au Burkina Faso pour vous parler de cette danse, la danse du Wiré. Alors, qu'est-ce que le Wiré, qu'est-ce qu'a été la danse du Wiré à l'époque, qu'est-ce qu'est devenu la danse du Wiré? On danse la danse du Wiré à quelle occasion? C'est bien sur cette thématique-là que nous allons nous pencher aujourd'hui. Et justement, pour en parler, nous avons invité pour vous Romain Ouaré. Alors, il faut dire que Romain Ouaré est une personne pluridimensionnelle parce qu'il est artiste chanteur, il est journaliste animateur radio, il est aussi membre de la troupe Naba Kanga de Méré. Bonne arrivée. Merci. Alors, déjà, il y a une similitude. Ouaré, Ouiré. Est-ce que. Ça n'a rien à voir. Ouaré, Ouiré, c'est. Ouaré, si vous voulez, c'est une déformation de la transcription du nom Ouaré, qui est une pierre que les gens connaissent bien. Quand les forgerons extraient le fer, il reste des résidus de fer qu'on appelle Ouaré. C'est ça mon nom en réalité. D'accord. Donc, qu'est-ce que le Ouiré? Alors, il faut dire le Ouiré, c'est une danse burkinabé d'abord, d'accord, et surtout du terroir Ouara. Et c'est un peu régionalisé parce que quand on parle de Moussi, ils sont un peu partout. Mais quand tu prends le Ouiré, on retrouve le Ouiré dans le plateau central, un peu dans le Kourougou, dans le centre nord, un peu dans le nord aussi, vers Passouré-Yako. Alors, et le centre-ouest, un peu vers Kourougou. C'est un peu régionalisé parce qu'il y a des Moussi qui n'ont jamais vu, peut-être ils ont vu, mais n'ont jamais assisté à une danse de Ouiré. Et parlant d'assistance, à quel moment l'on danse, quelle période de l'année l'on danse la danse du Ouiré? Alors il faut dire que la danse de Ouiré, contrairement au Warba, c'est une danse qui est dansée uniquement pour des occasions de joie, des occasions de fête. Mmh. Alors pourtant le Warba est un peu mixte, on peut danser le Warba pour des occasions de deuil ou de, voilà, ou de fête, mais le Ouiré c'est uniquement pour les fêtes. Non. Voilà. Donc le Ouiré ne se danse pas en période de funérailles. Non, le Ouiré ne se danse pas en période de funérailles. Aujourd'hui, il y a des transformations, les gens font du tout. Sinon, primitivement, le Ouiré, ça se danse à des occasions de fête. Et le Ouiré tire son nom du sifflet que les danseurs tiennent, qui s'appelle Ouiga en langue morée. D'accord. Oui. Okay. D'accord. C'est ce que j'ai voulu comprendre, parce que la signification en fait du mot Ouiré. Ouiré, Ouiga, Ouiré. Ça vient juste de l'instrument, le sifflet qu'ils tiennent et que, voilà, ils dansent. Alors, moi, je suis une femme, donc je vais poser cette question aux toutes les femmes. Mm-hmm. Est-ce que la femme peut se permettre de danser cette danse? Oui, dans cette danse, il faut savoir qu'il y a des nuances. La pratique n'est pas forcément la même partout. D'accord. Par exemple, dans le Kourougou, par exemple, c'est rare deux fois de voir une femme danser Ouiré. Ah ouais? Oui, c'est très rare. Et pourquoi? Maintenant, ils ont leur raison. Si dès le début, ça n'a pas commencé avec les femmes, peut-être qu'ils auraient une réticence forcément pour pratiquer la danse. Quoi. Voilà, c'est comme le Warba. Par exemple, chez moi, la femme ne danse pas le Warba. Si tu vois femme danser Warba, c'est peut-être des occasions de funérailles, mais dans une équipe de Warba, dans une troupe de Warba, il n'y a pas de femmes. Pourtant, les femmes dansent Warba. Donc, vous voyez? Donc c'est ça la petite différence. Il y a des pratiques différentes d'un village ou d'une localité à une autre. Ok. Au fil du temps, est-ce que tu sens pas que le Ouiré est en train de perdre son originalité? Parce qu'actuellement, on a des artistes comme par exemple des Atino qui font du Ouiré, mais vraiment très modernisé. Il y a forcément une transformation avec le folklore qui arrive. Vous savez, les gens ajoutent du tout maintenant. C'est de bonne guerre parce que toute chose doit évoluer. D'accord. Pas que on garde. Moi, je suis contre cette conception qu'on doit garder la tradition. On doit garder les origines, mais on doit travailler à améliorer parce que ce sont des gens qui ont inventé ça un jour. C'est pas tombé du ciel. Alors, et nous aussi, on doit apporter notre pied. Donc, ça fait qu'il y a des choses qui s'ajoutent. Sinon, l'accoutrement d'un danseur de Ouiré traditionnel, quand tu le vois, ça se dessine là clairement. Mais même aujourd'hui, vous allez voir que tout change. Alors, ils ont quelque chose qu'ils portent sur la tête, et ils ont des peaux d'animaux qu'ils portent autour de la hanche. Voilà, avec des colis ou des trucs qui font du bruit, avec le Ouiga. Maintenant qu'ils dansent, mais aujourd'hui on voit du tout. Les gens veulent designer, ils veulent que ça soit, voilà, tu vois, que ça soit plus joli, quoi. Okay. Est-ce que ça ne crée pas également un conflit? Oui, ça fait que la chose peut perdre son originalité, mais je pense que c'est des choses qu'il faut garder la ligne et ajouter ce qu'il y a et
aussi pouvoir montrer à chaque fois comment c'était. Mmh. D'accord. Oui, parce que si on va d'évolution en évolution en changeant les choses, on risque un jour de se retrouver avec une danse qu'on n'arrive pas à définir. D'accord. Voilà, qui est bien. Super. Alors, Jacqueline, pour la conclusion. Voilà, c'était tout pour ces quelques informations pour vous sur la danse Wiri. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à toi, focus sur toi. J'aurais bien voulu te demander dans ta région. Déjà, je suis de quelle région, donc quelle origine? Oui, je suis au Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso. Oui, oui. Ah, d'accord. Joli. Donc, toi et Do, c'est à peu près. Pratiquement, c'est mon frère. Ça. Voilà. C'est... Il n'a pas volé. Hein. Jusque là, c'est un Bobo. C'est un Bobo, c'est mon petit. Hein. Mais pourquoi tu insistes sur le Bobo? En fait, tu veux que tout le monde sache que bon, voilà. C'est mon petit. C'est ton petit, quoi. Voilà. C'est ton petit Bobo. On n'a jamais été petit devant eux. Vous deux là, vous avez sorti. Moi, j'étais petit. D'accord. Alors, aujourd'hui, ton tout dernier est dans les bacs. Yes, I. Voilà. Yes, I. Il a envie d'en parler. Il a bien envie d'en parler. Donc, comment. Comment les fans l'ont accueilli? Qu'est-ce qu'ils pensent de ton tout dernier? Ouais, ça fait deux parties. Certaines pensent que c'est cool, d'autres pensent que ça a été pervers. Bon. D'accord. De toutes les façons, ça marche bien, ça fait son petit bout de chemin et ça va aller. Mmh. Voilà, en tout cas, c'est propre. D'accord. Le Talef Tedo. Le Talef Tedo. Ouais, non, attends, le Talef Tedo, en a cappella, qu'est-ce que ça donne? En a cappella, oui. C'est un freestyle. Oui. En freestyle. Ah oui, donc c'est vrai, dans leur game on dit le freestyle. Yeah, yeah. Ah ouais, c'est vrai. Donc faut le faire freestyle. De Tama magada metonu ubre ligida beyon kave bala tobe sengeri ba rama akina nosa lazima yunga hanche toble rate chepinda koma kemo papa emesha shoko ngeze ninga baba gaba c'est quoi ça kemo papa emesha papa n'est pas un chien. J'avais pas vu ça venir. Là c'est le punchline. Mais t'es fort là. Je vous ai dit que c'est le prince des rimes. Non, il est incroyable. Il est incroyable ce gars. Hormis ça, tes projets aujourd'hui sont marqués par quelle actualité? Hormis la promotion de ton dernier. Hormis la promo, bon, j'ai un spectacle ce samedi, hein, samedi 12 au Sénaza. D'accord. Voilà, d'accord. Rap Révolution avec beaucoup de mes frères artistes. Wow. Voilà. Au Sénaza ce 12, samedi 12, pardon. Ok, voilà. Alors, Floman, c'est quoi? C'est de l'autoprod ou bien c'est une maison de prod? Ouais, comme je suis le boss d'ici, je fais de l'autoprod. Apparemment, tu te sens bien en autoproduction, toi? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Ça va. Ouais, ouais. Mais tu fais quoi? Tu fais comment pour ton produit? Ah, c'est dans le 6. Ah, ouais. Yes, ah, on reste tout dans le 6. Nous, on t'aime bien. Mais on va demander le contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Et puis nous ne sommes pas le 6. Voilà, on va continuer notre émission. C'est le business. D'accord. Voilà. L'artiste, premièrement, c'est un businessman. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, moi, le numéro. Le numéro. Le 64-80-20-41. 64-80-20-41. D'accord, merci beaucoup à toi Floman, merci d'avoir accepté notre invitation. On était vraiment ravis, c'est un délice très agréable d'être en ta compagnie. Merci de demeurer dans le 6 parce qu'apparemment ça te va très bien. Alors monsieur Henri aussi, merci à vous, grâce à vous on sait un peu plus sur la danse du Wiri. Allez, bonne journée, comme on dit la matinée. Bonne matinée à vous. Merci. Allez, comme tous les jeudis, elle nous apprend une nouvelle recette, vous le savez bien. Elle est plus à présenter, c'est notre chef Christos, Madame Wodraogo. Nous l'installons maintenant avec le tour dernier de Floman Boys. Namanawana, Zedaratu, c'était bon patata. Boom sonna take it in ora ya ton you butcha gombera Taluftero Runa tekam debra soweto Akuna matata sake tumpe kam saru la bero Taluftero Runa tekam debra soweto Akuna matata sake tumpe kam saru la bero
alati kuma matata patam beka tup samadema because how you to no kobisi bala tum yala mara tenga kamati bazo odo hame ye kataba biri buhtaba kabenya nye ya tenga ya woto waya soba ton la taba kama bada meton wub de ligida beron kafe bala tup singe riba rama kina nosa lazima yunga hache toble ratin che pinda koma que mon papa est méchant, je suis en baba kabara. Yel kan sa bourba la kiti sin sa bang so et au ramba. Nama na wana, c'est la ratu. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça, y'a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches, fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profite on vit de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa, Kabisa. Même dans la chaleur, elle est rafraîchissante. Kabisa, Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa, Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Nous sommes de retour en plateau et c'est l'heure de parler cuisine à Sao. On se retrouve dans l'assiette du MAG avec Madame Oudraogo. Alors, bonjour Madame Oudraogo. Bonjour Lynn, bonjour la team. Bonjour Madame. Quelle est la recette que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Et comme les fêtes, c'est bientôt, oui, on va sortir un peu le grand jeu. D'accord. En vous présentant un peu l'entrée en sapin de Noël. Super. Mesdames, si vous n'aimerez rien laisser au hasard pendant les fêtes de Noël, et si vous adorez la décoration, voici une idée parmi tant d'autres. Laissez-vous inspirer et libérer votre créativité. À l'assiette du MAC 12, c'est toujours de la créativité. Alors, pour ce qui concerne le menu du jour, qui est l'entrée en sapin de Noël, pour 4 personnes, il nous faut 500 g de haricots verts, 4 brocolis, 2 tomates, 2 carottes, 2 courgettes, 2 gousses d'ail, 1 kg de pommes de terre, un poivron vert ou rouge, un oignon, une cuillerée à soupe d'huile et quelques brins d'herbe fraîche et une belle vinaigrette fait maison. Mais avant de commencer la préparation proprement dite, lavons bien nos légumes et nos mains. Temps de préparation 15 minutes, temps de cuisson 25 minutes, temps de dressage 10 minutes. Pour la préparation, épluchez l'ail, l'oignon et les carottes. Équettez les haricots verts et détachez les fleurettes des brocolis. Épinez le poivron. Tranchez les carottes, les courgettes et l'oignon en julienne ou en rondelles, c'est-à-dire en fonction de la forme que vous voulez donner à votre plat. En deux, passez à la vapeur vos légumes tout en vérifiant l'assaisonnement. Retirez-les. Et en trois, faites chauffer votre cocotte ou votre poêle. Versez-y l'huile, puis commencez à faire revenir quelques minutes l'ail et l'oignon. Ajoutez les légumes, poêlez environ 10 minutes. Et en fin de cuisson, vérifiez l'assaisonnement et éteignez le feu. En quatre, c'est le moment de sortir le grand jeu. Prenez votre plat ou votre plateau, commencez le dressage sous forme de sapin. Vous savez que vos invités vont manger d'abord avec la vue avant de déguster. C'est vrai. Voilà. Donc, pour parfumer davantage votre poêle de légumes, vous pouvez ajouter une cuillerée à soupe de curry ou de cumin ou encore de poudre de gingembre. Voilà en gros ce que je pouvais dire pour ce qui concerne le menu du jour. Pour ce qui concerne l'astuce,
Lynn, tu sais que l'originalité d'une crudité réside aussi dans sa vinaigrette. Exactement. Une bonne sauce peut sublimer ou gâcher carrément votre plat. Voilà. Et nos conseils pour ne pas rater votre vinaigrette, il faut suivre dans l'ordre la préparation de votre vinaigrette. Tout d'abord, mettez le sel et le poivre. Ensuite, ajoutez l'huile et les herbes fraîches. Terminez en ajoutant la moutarde et le vinaigrette. Pour ce qui concerne ceux qui veulent faire leur crudité sous forme de yaourt, c'est très simple. Il faut dire que vous mettez dans un bol, vous versez votre yaourt, ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau, battez jusqu'à ce que le mélange devienne fluide. Versez ensuite 1 ou 2 cuillères d'huile en continuant à tourner énergiquement. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne lâche pas en quelque sorte la préparation de votre vinaigrette à base de yaourt. Quand vous mettez le sel, le yaourt et vous continuez à mélanger énergiquement en incorporant les herbes de votre choix selon l'assaisonnement que vous voulez donner, soit les ciboulettes, du persil, du coriandre ou du curry. Ce qui a évité le basilic. Son goût trop fort ne se marie pas avec celui du yaourt. Voilà. Merci. En quelques minutes ce que je voulais dire. Merci à vous. Alors voilà le menu du jour. De l'entrée sous forme de sapin. Il y a un peu de tout, hein, des haricots verts, un peu de brocoli, carottes, comme tomates et autres. Merci madame Audra. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Même heure, tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo's. Quand c'est bon, on à demain famille. Elle me dit ma fille a avancé. Vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Idéal de vos plats de poisson, viande ou légumes, c'est l'ingrédient incontournable pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes, onctueuses, crémeuses, savoureuses pour le plaisir de vos papilles. Allez-y, faites-vous plaisir. 2000 francs dans toutes les alimentations et supermarchés. C'est pour tout le monde.